Le Truvada, c'est le nom commercial pour une association de deux antirétroviraux qui sont largement prescrits pour le traitement. Donc, hein, on est plus de 50% des patients belges reçoivent ce Truvada. L'intérêt du Truvada, c'est qu'il a peu d'effets secondaires, voire pas d'effets secondaires à court terme, ce qui est très bien dans cette indication. Alors, ce que vous évoquez, en fait, c'est le traitement comme prévention pré-exposition. C'est le fait que des personnes non infectées, mais qui ont un comportement sexuel en l'occurrence à très haut risque, prennent des médicaments soit de façon continue, soit de façon itérative, pour réduire ainsi leur risque de contamination. Alors, c'est quelque chose de tout à fait récent, donc les études ne sont pas encore très nombreuses. Néanmoins, on a plusieurs raisons de penser que la réduction du risque de contamination est très importante. Bien évidemment, il faut s'assurer qu'en rendant accessible ce Truvada à beaucoup de gens, on ne va pas modifier les comportements et avoir un effet contre-productif avec plus de comportements à risque. Là aussi, je pense que si c'est bien ciblé, c'est bien accompagné de mesures de sensibilisation, d'éducation des personnes, je pense que les avantages l'emporteront sur les inconvénients.